Yo les gens, c'est Drake Survie. Aujourd'hui, on se retrouve sur Far Cry 6. Aujourd'hui, petit jeu qui vient de sortir la semaine dernière. Alors aujourd'hui, on va parler de ce jeu qui est magnifique. La semaine dernière, je n'ai pas fait de vidéo parce que je n'étais pas en état. Et vu que j'ai fait ma dernière dose de vaccin pour beaucoup, voilà, vous en avez deux. D'autres, ils n'en ont qu'une et d'autres, ils vont en avoir trois. Donc, j'espère que pour ceux qui auront la troisième dose, pour ceux qui n'ont pas de chance ou quoi que ce soit, j'espère que vous irez bien au niveau de la troisième dose, parce que déjà deux doses, c'est déjà pas mal. Donc, voilà. Alors, aujourd'hui, donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à mettre la cloche, à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Alors, aujourd'hui, donc Far Cry 6 est sorti. Moi, j'ai déjà terminé une zone. Donc là, je suis dans la première zone en temps normal. Mais j'ai commencé par la zone verte qui est juste ici. Donc, j'ai commencé par ce coin-là. Et je commence après, je suis allé là. Et après, j'irai ici pour finir. Comme ça, ça sera pas mal. Je vais vous parler un peu de ce jeu qui est sorti la semaine dernière. Donc, vous avez le choix entre deux personnes, entre Danny et Danny. Donc, Danny, la fille, et Danny, le mec. Hein. En temps normal, les Far Cry, pour beaucoup, vous savez que quand on commence... sur ce jeu-là, normalement, on a le choix. On a le choix de soit aller se battre ou soit de pas aller se battre. Et là, le truc, c'est que on n'a pas vraiment le choix, j'ai l'impression. Alors, on n'a pas eu le truc où on doit rester ou quoi que ce soit. Alors, je sais qu'au début, alors je vais vous expliquer un peu comment ça se déroule pour ceux qui ne l'ont pas. Alors, au début, vous commencez sur un bâtiment avec des amis et tout ça. Donc, avec soit le personnage du gars, soit le personnage de la fille. Qui sont assez, que ça soit l'un ou l'autre, plutôt cool à jouer. Parce que mon frère a pris le mec et moi, j'ai pris la fille. C'est vrai que... il manque un peu ce système là où au début de game vous avez toujours soit une fin qui se débute, vous avez même pas commencé le jeu, et une fin où vous pouvez laisser le méchant en vie ou pas. Alors ça, bon, bien sûr, le méchant pour le moment j'y suis pas encore allé, mais c'est vrai que il y a quand même pas mal de petites choses qui manquent et tout ça, donc c'est vrai que ça fait bizarre. Alors aussi il y a pas mal de petites choses qui ont changé. En plus de ça, nous sommes dans une zone où, en plus de ça, on a tout. Si, il y a tout. Il y a même le hangar, il y a le truc à cheval. Donc, vous avez donc là où vous pouvez appeler vos véhicules, donc vos véhicules terrestres qui sont là. Alors, les véhicules terrestres, faut les récupérer hein, dans toute la map. Il faut les récupérer. Alors, après, bon, vous savez, il y en a certains où vous pouvez gagner dans des prix, dans des trucs comme ça. Qui peuvent être pas mal, mais la plupart sont à récupérer à Yara, donc l'île où on est pour se battre contre le grand méchant loup. Là, nous avons des aviennes où moi j'ai récupéré ça, qui est plutôt cool. Un Tervol qui est plutôt pas mal. Vous l'avez dans une course et franchement, il est plutôt cool. Je vais peut-être même le sortir et je vais vous le montrer. Donc il est là. Et vous avez donc les hélicoptères, c'est pareil, il faut ramener les hélicoptères à destination. Donc ici, alors il y en a un qui est plutôt... Je vais même le sortir, je vais vous le montrer. Ah, ça m'a rangé mon véhicule. Qui est plutôt bizarre, mais donc il est dans cette zone. Il est dans cette zone, si vous le cherchez. Après, où je l'ai récupéré, je ne me rappelle plus. Je crois bien qu'il était dans cette zone-là. Dans ce coin où... en global, dans ce coin-là. C'était dans ce coin-là. Je sais que c'est en hauteur. En hauteur dans la forêt. Et il est plutôt cool. Il est assez rapide. Il y a deux places. Alors, tous les véhicules ont deux places. Hein.
J'ai remarqué ça, les véhicules ont tous deux places, donc ça c'est cool. Vous pouvez jouer vraiment à deux, et ça c'est vraiment sympa. Même celui-là il a deux places. Donc je vais vous montrer, donc c'est un peu un buggy avec un lance-patate. Vous avez une manette à gauche, une manette à droite. Vous avez, alors pour ceux qui sont sur PC ou sur PS4, je sais pas si ça sera la même chose, mais nous par exemple, c'est Y. Vous tirez la manette et vous décollez. Donc normalement, voilà, vous avez le parachute. Alors c'est un peu un aéroglisseur en mode, voilà. Et bah, je dois appuyer sur. Alors vous avez A pour balancer Ah, celui-là il est incassable. Et vous appuyez sur le. Ah ben atterri trop. Ok, faut que j'atterrisse. C'est vrai que. Alors j'ai l'habitude de prendre de la hauteur, mais c'est vrai que là, vu que j'étais pas si haut que ça, ben, j'ai explosé. Voilà. Voilà, commence bien la vidéo, c'est tout. On commence bien la vidéo, j'ai envie de dire. Alors oui, pendant que ça charge, les chargements sont très longs du jeu. C'est dommage, le chargement du jeu est très très long. Mais il est vraiment classe. Au niveau graphisme, il est clairement sympa. Il a pas mal d'extensions. Alors moi, les extensions buggées, je les ai pas. C'est dommage. Mais mon frère, il a un chien K900 qui est plutôt cool, qui ressemble à un robot. Il a pas mal de petites choses en plus. Mais moi, j'ai pas eu la chance de les avoir. Donc je suis un peu dégoûté. Voilà. Vous avez, alors bien sûr, alors là je peux pas sortir mes armes, mais je vais le faire. Ici. Ah oui, et puis vous avez aussi normalement le truc à cheval qui est là-bas. Pareil, où bah faut les ramener. Alors moi j'ai un sniper qui est comme ça. Alors vous pouvez les personnaliser à fond. Vous avez, moi j'ai ça, j'ai un RKC avec une balle perforante. J'ai le CVD qui est bah, pareil, qui est pas mal. J'ai un lance-flammes, j'ai un petit M9. Après, vous avez le range d'armes. Donc, ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt sympa de ranger les armes. Donc, on a le chalumeau pour réparer votre véhicule. Nous avons une canne à pêche. Alors, la canne à pêche, vous pouvez l'améliorer. Ça, c'est comme les armes. Ça, c'est cool. En route. Ouais, ça va arriver. Voilà. Voilà. Ben, en même temps, je vais vous présenter mon véhicule. La canne à pêche, vous pouvez l'améliorer, c'est pareil. La canne à pêche, ça c'est cool de pouvoir améliorer. Niveau véhicule, c'est pareil. Les véhicules, vous pouvez en avoir plusieurs. Vous en avez, alors là, bon, elle est améliorée à fond. Je vais vous montrer un peu. Donc, vous avez des amigos. Alors, moi j'ai déjà Capot qui est un croco. Alors, au fil du temps, quand vous jouez avec, quand vous le voyez, vous avez des trucs que vous gagnez. Alors faut le faire, mais quand vous faites des avant-postes, des avant-postes sans alarme, on va dire, et clairement c'est plutôt cool, clairement, qui est ça. Vous avez Chorizo que j'ai eu ici dans cette zone-là, donc dans ce camp où on est, et Chicharron qui est un coq fougueux. Mais qui est super cool, clairement, faut faire quelques missions pour l'avoir. Et c'est pas si simple, mais il est plutôt cool. Chorizo, c'est facile, il faut de la viande de croco, mais il faut pas tuer le croco à l'arme en fait, faut laisser le croco venir à vous, et en fait, à un moment donné, il y aura une cinématique et ça va vous tuer le croco. De la façon dont vous devez l'avoir. Et Capot, ben, vous l'avez sur les débuts. Parce que ben, faut savoir siffler. Le seul croco avec une dent en or. Donc clairement, voilà. La dent en or qui fait plaisir. Aussi, vous avez Boum Boum. Et Aluso qui est, voilà, pour le moment encore pas trouvé. Mais vous pouvez aussi avoir K900 qui est donc en bas normalement, mais qui n'est pas débloqué pour moi.
Et ça, c'est dommage parce que j'aurais bien voulu l'avoir, mais ça, c'est pas de mon ressort. Sinon, au niveau véhicule, donc vous avez aussi les véhicules comme je vous ai montré sur les bornes de recharge, mais vous avez vos véhicules à vous, donc que vous pouvez appeler, qui sont armés, qui sont directement machinés, qui ont leur amélioration eux-mêmes, parce que bon, à part les pare-buffles ou quoi que ce soit, les pare-buffles ne changent pas. Si vous les améliorez, elles seront améliorées pour certes, pour tous les autres véhicules. Vous avez les défenses, donc les pare-buffles. Vous avez les armures, donc les armures. Vous avez plusieurs catégories, donc feu, ça c'est résistance, plaque préférente, donc au niveau des dégâts. Vous avez des mines. Alors bon, pour le moment j'en ai qu'une, mais par exemple vous avez des mines de grenades, vous avez ouais, c'est des. Faut que je termine le Grand Prix, mais bon, ça pour le moment, il y a certaines courses qui sont pas si simples que ça, mais plutôt sympa. Et là, bah, vous avez les tourelles, pareil, les tourelles, bah, il faut au fil du temps les avoir, et certaines tourelles ne sont pas sur certaines véhicules, sur certains véhicules. Vous avez aussi les custom, donc intérieur et extérieur, donc vous pouvez modifier vos véhicules. Alors pour avoir les peintures, il faut ramener les véhicules. Il faut ramener des véhicules comme je le fais en ce moment, parce que j'étais en train de remarquer qu'il faut ramener des véhicules. Regardez, conduire. Conduisez un véhicule au point de collecte, au scan le avec le téléphone. Ah, on peut le scanner avec le téléphone? Ah, première nouvelle. Vous avez aussi des jantes. Bon, bah ça, les jantes, il faut les gagner avec des grands prix ou par le scan de téléphone apparemment. Vous avez des babioles, vous avez un petit chien-chien, vous avez des petites figurines et vous avez des klaxons que bah pareil, il faut ramener des véhicules. Donc voilà, sinon bah vous avez votre inventaire, vous avez vos collections, les systèmes, la map et le journal de bord ou pour les quêtes. Les quêtes, les quêtes. Oui, les quêtes. Donc voilà. Donc, vous savez quoi? La vidéo sera un peu plus longue, mais au moins, voilà. On va. Alors, je vais pas. Pour prendre dessous. Alors, je vais me TP, ça ira plus vite. Alors, vous pouvez vous TP soit mode aérien, soit. Alors, le mode aérien, il faut aller dans la zone verte pour avoir la Nune Suite. Donc, dans la zone où j'étais en première. Sinon, vous n'avez pas la Nune Suite tout de suite. Donc il faut aller dans la zone où j'étais. Voilà. Donc ça fait plutôt cool. Donc aussi, j'ai mis ma caméra. Je sais plus si j'en ai parlé ou quoi. Je perds la mémoire, moi, c'est pareil. La caméra. Parce que j'ai plus OBS. OBS faisait que de la merde. Overmedia, c'est pareil. En ce moment, c'est laborieux. Voilà, vous avez pas mal de petites choses qui sont plutôt pas mal. Ma caméra est à droite et mon overmedia est à gauche. Comme ça, vous me voyez. Le son normalement du jeu et de mon micro sont plutôt pas mal. Je verrai comment je mets ma caméra et puis voilà. Vous avez des missions secondaires. Donc les missions secondaires sont soit des mortiers, soit des avant-postes comme là où je suis. Non, ça c'est plus un avant-garde ou quoi que ce soit. Ah, bah ça c'est une histoire. Parce que vous avez pas mal de petites choses. Donc vous avez des mortiers, les mortiers pour les anti-aériens. Vous avez aussi donc les avant-postes qui sont un peu à droite à gauche. Alors il y en a pas tant que ça. Il y en a pas tant que ça des avant-postes. Je pensais qu'il y en allait en avoir un tout petit peu plus. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de zones rouges. Comme vous le voyez, il y a pas mal de zones rouges. Alors je pense que les zones rouges qui sont pas finies, c'est des trucs qu'il faut faire. Donc par exemple brûler les champs, faire des trucs comme ça, exploser des bidons d'essence, des trucs comme ça. C'est vrai que c'est un peu long, mais c'est plutôt cool. Vous avez aussi des caches. Ça a toujours existé, c'est plutôt sympa.
Vous avez des missions secondaires, donc les missions secondaires que j'appelle les histoires de Hara, c'est par exemple, bah, vous pouvez avoir des trucs un peu comme des amis, vous pouvez avoir des chefs de rang que je vous montrerai à la fin. Et bah tiens, pour la peine, je vais vous me faire un largage aérien. Comme ça, on ira directement au point jaune et ça ira plus vite. Mais c'est vrai que c'est pas si facile, c'est pas si facile. Certaines choses sont pas, faut bien chercher, faut bien regarder, faut ouais c'est. J'avais une mission, c'était récupérer pareil une cache. Il fallait récupérer une carte et la carte en fait le gars était tombé au niveau de l'eau et le truc c'est que il tourne. Voilà. Alors moi j'ai la Nimsuite donc ça ira plus vite. En espérant qu'il n'y a pas de. Non, je pense pas qu'il capte le. Je pense pas qu'il capte la Nimsuite. Parce que je sais que les hélicos, quand vous arrivez dans une zone aérienne interdite. Ah, oh la blague! En mode 10 secondes. Hey, t'as pas perdu de vie, toi? Hey, qu'est-ce que t'allais faire là? Alors vous pouvez récupérer plein de choses, hein. Vous pouvez. Alors il y a les petits points blancs qui vous le montrent. Ça brille en même temps, donc vous avez des bidons d'essence, vous avez des bons bidons un peu. Voilà, vous avez pas mal de petites choses. Vous avez aussi des munitions à récupérer qui se récupèrent automatiquement. Vous avez des caisses un peu bric-à-brac qui vous servent à améliorer vos armes et vos véhicules. Faut. Bon, bah la discrétion zéro apparemment. Discrétion zéro. Alors moi je récupère tout, hein. Je vais trouver. Salle des serveurs. Oh bah alors, elle est fatiguée. Alors moi je suis en mode histoire, hein. C'est un peu plus facile. Parce que moi, mon frère, il l'a pris en. Bah, moi, j'appelle ça en hardcore, mais. Putain, alors là. Alors, attendez, je récupère tout, parce qu'en plus de ça, il y a une carte. Et médicaments. Vous êtes du genre casse-couille, hein, vous. Hein. Allez, on récupère les bubbles. Ah, mais. Ah, oui, alors aussi, les alarmes sont améliorées. Il y a certaines alarmes sont pas mal améliorées. Failli me faire exploser la gueule. Tiens, couché. Alors bon, vous avez la visée auto, vous pouvez avoir aussi la visée normale. Hein. Vous pouvez. Moi, j'ai pris la visée auto parce que voilà, c'était plus facile et ça va beaucoup plus vite. Mais clairement, quand vous avez un gars qui a un lance-flamme au bout de la tronche.
Alors vous avez aussi une capacité spéciale, alors vous avez un sac à dos, vous avez... Vous avez un sac à dos ou... Tu vas où là? Il va où lui? Alors par contre, j'ai récupéré une carte. Waouh. Je l'ai pas vu arriver, lui. Chaud, chaud, chaud. Souffle, souffle. Va exploser ce con là. Bon, après, c'est vrai que moi j'ai les balles perforantes donc dès que je leur tire dans la tête, pour certains, c'est direct. Pas touche! Bah merde, elle va jusqu'au bout? Ah, puis oui, puis. Avec les bidons qui se baladent un peu à droite à gauche. Drac, tu fais le con, là! Ah, mais ouais, il avait mis une protection. Putain. Sors de ta planque, toi, là-haut. Voilà. Mulet, va. T'es pas chier, toi, de venir sur le côté. Alors, vous avez qu'un un truc de vie, hein. Couché. Sors pas ta protection, ça sert à rien. Elle est plus vite. Pirater l'ordinateur principal. Ah, voilà. J'ai les infos. Il faut se tirer d'ici. Ouais. D'accord avec toi. Mais avant, on va faire un petit tour dans les vestiaires. Il y a des trucs qui me plaisent. Alors, attendez, parce que vu que j'ai presque plus de munitions. Alors, je suis recherché. Il n'y a rien là. Les cachets, je les prends parce qu'on en a besoin. Pour améliorer, alors je vous en parlerai après, mais pour améliorer la base. J'ai fait le tour. Alors là. Pas con, dors-moi. Pas con, Tintin, là. Pas con, pas con. Salut, excuse-moi, je cherche la sortie, c'est possible. Je pense que la sortie, faut repasser par là. On peut pas se passer par là. Allez. Bon, on va repasser par là. Par là. Ah bah. Qu'est-ce qu'on va tomber? Ouais, heureusement que j'ai fait attention, il y avait une... Genre, les gars, vous mettez des mines chez vous.
Couchez le chien, couchez. Et comme dirait l'autre. Et comme pas de vol. Allez, on bouge. Bah heureusement que j'avais enlevé le truc aérien. Heureusement que j'avais détruit le radar parce que y avait une zone à radar juste en dessous. Voilà, mission accomplie. Parce que vous avez aussi des trucs comme là, les machins là, qui peuvent être pas mal. Oups. Je crois même que j'ai fait le con. J'ai nettoyé toute la zone. Attends, ça a pas explosé? Attendez, on va changer de... Je me suis trompé, pardon. J'ai appuyé sur la mauvaise touche. C'était de ma faute. Bon ben voilà, donc on va retourner. Alors bon là, celui-là je l'ai déjà. Bon bah, en plus on a encore une mission là. Maggie filerait presque point, d'accord. La vedette. D'accord, voilà. Ça va, elle est pas si loin que ça. Ça va, les points d'intersection sont quand même bien corrects. Donc je vais me TP là et puis je vais vous montrer pourquoi j'ai besoin de médicaments. Alors bon, chaque zone, vous avez le droit à construire des petits hangars en fait. Et c'est plutôt pas mal en fait. Et vous pouvez les améliorer et puis tout ça. Donc c'est plutôt cool. Puis au moins j'aurais fait une mission avec vous, comme ça vous aurez vu un peu comment ça se déroule. Alors bon, là, c'était en mode gros bourrin, mais c'est vrai qu'il y a des moments comme les avant-postes ou les trucs comme ça, je suis plutôt sniper, tranquillité, essaye de pas trop me faire repérer, les alarmes, on essaie de les... Et pour les alarmes blindées, pour ceux et celles qui voudraient se débarrasser des alarmes blindées, parce qu'en temps normal, les alarmes blindées, ils disent on peut pas les enlever. Je vais vous montrer pourquoi je vous en parle. Alors, normalement, vous avez lui, et en fait, c'est les bureaux de déconstruction. Alors, bon, ici, j'ai ça, mais dans l'autre zone, j'ai un truc d'armes et vêtements. Donc là, bah, par exemple, je peux avoir des repas, et là, les emplacements de pêche. Donc, c'est plutôt cool. Et vous avez... pousse-toi, toi. Alors ça fait super bizarre d'avoir une vue comme ça. Vous avez le tableau des chefs. Et en fait, vous les envoyez récupérer des choses en fait. Et à partir de là, vous cliquez et vous devez faire comme ça. Donc là, par exemple, faire appel à un ami ou plusieurs. Donc là, par exemple, terminer. Alors vous pouvez avoir un échec, hein, ça peut arriver. Là, voilà. Et bon, là, quand il y a un point d'interrogation, il peut être falloir d'abandonner. Donc là, par exemple, c'est même pas sûr que j'y arrive. Donc là, par exemple, là, je suis à 100%. 100%, vous avez 50 pièces. Voilà, je prends ça. Voilà, vous avez. Donc là, par exemple, opération Bandigo terminée. Donc là, à partir de là, vous avez vos résultats qui sont plutôt cool.
Vous pouvez avoir même des gens qui peuvent rejoindre, ça c'est cool. Là c'est pareil, là bon là par exemple il y avait deux personnes, donc là par exemple on va éviter l'argent parce qu'on a déjà un lance-roquettes, donc on va éviter tout ce qui est souci. Là nous avons. C'est quoi ça? Circuit industriel. Oh! Ah par contre là vous avez vu j'ai eu une perte de deux personnes. Donc voilà, j'ai perdu des personnes et en plus de ça, j'ai eu une récompense additionnelle. Donc ça, c'est plutôt cool. Et en plus de ça, ils montent de niveau. Bonus augmente la chance de succès à chaque étape d'opération des Bandigos. Donc ça, c'est cool. Et là, boum boum. Bah, on va reprendre ça parce que j'ai l'impression que c'est plutôt pas mal. Voilà, donc là, on a réussi. Alors bon, pas à 100%, mais on a perdu des alliés. Bon, ça c'est pas trop grave. Mais vous pouvez en regagner. Faut faire la chasse aux personnes et vous allez en avoir pas mal. Vous avez donc le taux de personnes que vous avez le temps que vous avez, la personne que vous envoyez. Alors vous pouvez en avoir un ou deux. Alors je sais pas si on peut en avoir deux, trois ou quatre, parce que bon, pour le moment j'ai que trois chefs. Vous pouvez en avoir plusieurs. Comme vous le voyez, pour le moment j'en ai que 3, mais c'est déjà pas mal. Là, tiens, bah, je vais en envoyer. Alors là, ce qui est le mieux, c'est. Ok, d'accord. Hop, on va envoyer lui. On va envoyer le sniper, j'en ai pas. Camouflage, je vais prendre le camouflot. Voilà. Et là, ok. Comme ça, un sniper. Comme ça, ils sont partis. Donc là, 1 heure, 1 heure, 2 heures, 2 heures. Voilà. Donc là, avec des recrues. Donc j'ai quand même pas mal de recrues. Donc je m'en inquiète pas. Donc vous gagnez le lance-roquettes et tout s'affiche à votre écran, bien sûr. Donc avec toutes les pièces, tous les machins. Et donc c'est plutôt pas mal en fait. Ça vous fait gagner de l'argent assez rapidement. Au niveau établi, donc je regardais vite fait. Bon, là c'est amélioré à fond, là c'est amélioré à fond, là c'est pas amélioré. Pas amélioré. Alors, parce qu'il y a pas mal de petites choses qui peuvent être sympas à améliorer, surtout sur les flingues. Alors, c'est ça en fait qu'il faut avoir. Il faut avoir les balles tête creuse. Ouais, c'est balles tête creuse ou je sais plus trop quoi. Alors, attendez. Que je prenne le sniper, ça sera mieux. Le sniper ou même lui, en fait. Ah non, c'est le balle blindé. Balle blindée avec ça. Balle perforante, donc au niveau de ça. Donc ça pète même les trucs. Donc c'est plutôt sympa. Donc voyons voir un peu le lance-roquettes. Donc c'est quoi ça? Le RA 4. Ok, super. Voyons voir un peu le. Oh, belle précision. Ok, voyons voir. Coup de précision, lance-roquette, augmente les dégâts des armes contre les ennemis dont la santé est basse. Ok. Ouais, mais un lance-roquette, c'est pas très utile de balancer un lance. Je préfère. C'est quoi ça? Tête bien blindée. Pleine. Tue les ennemis avec un tire-tête généreux. Ouais, mais là, c'est pas un sniper, hein, les gars, hein? Oh! Alors là c'est pareil, vous pouvez récupérer des bombes de peinture et vous pouvez les personnaliser à votre guise en fait. Alors donc bon là j'en prendrai avec vous. Là, tiens, voilà. Et vous pouvez mettre un petit une petite babiole qui se met ici. Bah voilà. On va mettre ça et bah voilà. Donc pas mal. Moi j'ai pas mal de petites choses, donc c'est plutôt cool. Vous avez donc ce que je vous disais au niveau
Donc de lui, du mec qui fait les machins. Donc moi j'ai le truc à pêche qui est en face. Et le gars qui cuisine, donc qui fait à bouffer pendant un certain temps ou qui vous donne un certain nombre de choses. Donc là par exemple, bon je les ai déjà fait. Mais par exemple là je pourrais presque faire sournois. Donc là je serais un peu plus discret on va dire. Donc ça c'est cool. Mais ça, ce qui est pas mal, là, on va prendre tout ce qui est truc de pêche. Et avant de se quitter, je vais me TP ici. Et normalement, il est au bord de plat, si je me trompe pas. Ça doit être par là, je crois. Hop, on va faire un largage aérien. Faire un largage aérien. Donc vous me direz en commentaire si au niveau de la caméra ça va, si au niveau du jeu ça va, si vous m'entendez bien, bien sûr. Alors s'il y a des frises au niveau du jeu, je suis désolé, mais à chaque fois Overmedia fait des recharges, je sais pas pourquoi. Pourtant je l'ai vidé, j'ai vidé le PC, il tourne un peu mieux. Mais apparemment, monsieur a décidé de me casser les pieds. Donc, voilà. Donc, Wally Walou. Alors, voyons voir. Pas chute libre, s'il te plaît. Ouais, alors, attendez. Parce que... Ouais, je suis allé du mauvais côté. C'est ce côté, c'est tout droit, en fait. C'est vers le ponton, ici. Et en fait, vous pouvez améliorer votre canne à pêche. Et depuis le temps que je le voulais le faire, bah, je peux voir le faire. Voilà. Un moulinet amélioré à fond. Parce que quand vous tombez sur un requin. Parce que oui, il y a des requins. Oui, ils sont chiants. Mais punaise, qu'est-ce qu'ils sont casse-couilles? Alors, je vais vous expliquer pourquoi je vous parle de ça. Parce que là, il y a des requins, quand vous le voyez. Oui, il y a des requins. Alors, la vidéo est un peu longue, mais ça, ce jour-là... Le jour où je suis tombé dessus, je me suis dit, c'est une blague. Mais non, non, c'est pas une blague. C'est la stricte vérité. Les requins existent et vous pouvez les pêcher. Surtout ceux-là. Surtout ceux-là. Mais il faut faire attention. Parce que les gars, les petits gars sont... Alors, vous sortez votre canne à pêche. C'est pas un requin, ça. À part s'il est miniature, mais... Alors des fois faut le laisser aller, hein. Clairement. Voilà, chair de gorge. D'accord, ok. Mais je pense qu'il faut d'autres appâts parce que bon, les requins en fait vous pouvez les avoir. Mais c'est une chance sur je sais plus trop combien. Parce que je suis tombé dessus moi parce que ben déjà d'une... On va retenter.
Vous l'avez vu? Il est là. Je sais pas si à la caméra on le voit, mais il est. Je vais essayer de. Il est. Bah, il y en avait juste un devant. Je voulais voir si ça attirait les requins. Alors par contre, les éclairs sont vraiment bien faits. Alors, à part si c'en est un, mais ça m'étonnerait. Ah, ils sont beaux les poissons. Ils sont super bien faits les poissons. En tout cas, comme les éclairs. Par contre, c'est chiant parce que je voudrais vraiment en avoir un devant vous en fait. Oula. Non, c'en est pas un. C'en est pas un. Je sais pas si en leur balançant devant le museau, je sais pas si on pourrait en avoir un. Alors attendez, dernier coup, et puis après on se laissera dessus. Va falloir que je trouve du. Là, le truc, c'est que je les vois plus. Pourtant, ils sont là. Hein. Putain, si ça pouvait être si facile. Belle prise. J'ai déjà attrapé 10 poissons. Alors je sais pas si... Bon, c'est quand même bizarre parce que... Je vais le laisser partir et je vais voir si si les requins si le requin le pourchasse. Parce qu'il y en a pas mal là que je vois depuis tout à l'heure qui tournent. Si le jeu est bien fait, normalement le requin devrait s'attraper s'attaquer au. Au poisson qui est en difficulté, mais
Bon, ben, j'ai pas l'impression. Bon, ben, les amis, c'est sur ceci qu'on va se laisser. J'espère que cette petite partie de pêche et que ce jeu, ben, pour ceux qui l'ont pris, vous plaît. Moi, clairement, il me plaît beaucoup. Alors, c'est un peu dommage que moi, les extensions sont pas mises. Je comprends pas pourquoi. Clairement, le jeu est vraiment magnifique. Donc, je vous le conseille. Pour ceux et celles qui aiment bien tout ce qui est Far Cry, Fallout et tout ça, c'est vraiment un truc qui est vraiment super. Moi, tout ce que je regrette un peu, c'est que au début, on n'a pas vraiment le monopole du choix en fait. Qu'on a l'habitude que ça soit du 3 au 4 au 5, que ça soit même New Dawn. New Dawn, on avait le droit de choisir. Mais là, clairement, à part choisir son personnage, c'est tout. On n'a pas eu le choix de faire autre chose. Donc, c'est dommage. Merci encore, passez une bonne soirée ou une bonne journée pour ceux qui regarderont la vidéo plus tard. Et on se dit à la prochaine les gens, c'est Drake Survie. Peace.